Salut tout le monde, c'est Amélie McCandless. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour ce festival, ce Crossroad Confine Countdown Festival. C'est un nom super dur à dire, super long. Mais voilà, on est là pour passer j'espère, un bon moment ensemble, une petite demi-heure à peu près. Donc j'espère que le concert vous plaira et on va pas tarder à commencer. Hi everyone, I'm Amélie McCandless, I'm French. I'm really happy to be here with you for this show. I hope you will enjoy it. I'm really sorry but I won't speak English between the songs, but I think you will understand my lyrics. So I think it will be okay for you. So, if you're ready, let's go! On va donc commencer avec une première chanson qui s'appelle Beyond Your Wildest Dreams, ce qui signifie au-delà de tes rêves les plus fous. Thank you.
Merci. Alors, on continue avec une autre chanson. C'est une chanson qui s'appelle Nil in Bottomland. Et cette chanson, en fait, elle parle du fait de vouloir changer de vie et pour vivre tout simplement une vie qui nous ressemble, ne plus simplement subir sa vie, la vivre. Merci beaucoup. Alors attendez, je cherche mon médiator. Voilà. Alors la prochaine, c'est une chanson qui s'appelle Breaking Bad. Vous connaissez sans doute la série du même nom, hein, ce qui signifie tourner mal, Breaking Bad. Et là, cette chanson, voilà, parle de quelqu'un qui a flingué sa vie, pour de vrai, hein, pendant très longtemps. Et le message de cette chanson, c'est malgré les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, il est toujours temps, voilà, d'écrire quelque chose de meilleur. Donc si vous êtes dans ce cas-là, essayez. Remember the time. Thank you.
Merci beaucoup. Bon, comme dans un vrai concert, j'ai chaud. Donc. Petite hydratation, ce petit bruit métallique, c'est ma gourde, hein, vous inquiétez pas. Alors, la prochaine chanson, alors celle-ci, je ne l'ai pas jouée depuis très 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 longtemps, donc j'espère que ça va aller. C'est une chanson qui s'appelle Foreign Waters, et donc c'est une chanson de mon premier EP. Et cette chanson, eh bien, elle parle d'une... une femme, mais pas que. Mais l'idée vraiment derrière ça, c'est la destruction de la nature par l'homme et quelqu'un qui va être touché par cela vraiment directement. Donc il y a un joli clip qui a été réalisé par Thomas Guérigen que vous pouvez voir sur YouTube sans problème. Donc voilà, c'est Foreign Waters et j'espère que cette chanson vous plaira. Oh,
va très vite à un petit concert comme ça, je me rends compte. Il me reste 3 chansons. Ça va très très vite. Alors, la prochaine. Oui. J'espère que ça va toujours derrière vos écrans, hein, parce que je peux pas trop le savoir. J'espère que ça va. Alors, la prochaine, c'est une chanson qui s'appelle Woodland Spirit. Qu'est-ce que ça veut dire, Woodland Spirit? L'esprit de la forêt. L'esprit de la forêt, puisque je suis une artiste qui est très inspirée par ce milieu. Il y a vraiment quelque chose de spécial. Quand on va se balader en forêt, il y a une atmosphère qu'on, je trouve qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ça m'inspire énormément. Donc, on va essayer de voyager ensemble. When she was running, a long breath streaming, in the wind the voice was calling her, a whistle super long, thank you.
Donc si vous avez suivi, avant-dernière chanson. La prochaine s'appelle Skipping Stones et c'est une chanson qui parle du fait de... Vous savez qu'on tombe amoureux, mais tout seul. De l'autre côté, pas du tout. Hein. Donc voilà, c'est une chanson qui parle de cela, sur fond de lacs, de cabanes en bois. Imaginez un petit peu l'ambiance. On s'y croirait. C'est la dernière chanson. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous avez apprécié mes chansons. Moi, j'ai passé un très bon moment, même si je vous voyais pas. C'était quand même super agréable. Un grand merci aussi à l'équipe du festival de m'avoir conviée à cet événement. C'est vraiment top. Je suis contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que j'oublie toujours. De toute façon, quand je fais les concerts, j'oublie toujours de dire un truc. Si ça vous a plu, je vous montre. Hop. J'ai un premier album. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que comme je suis toute seule à me filmer, je pense que vous le voyez. Donc ça c'est mon premier album qui est disponible en vinyle, en CD. Et également mon premier EP, il doit
Oh, chérie, je ne sais plus parler, c'est la fin. Mon premier EP, il doit en rester 10 exemplaires en CD. Voilà, donc si vous voulez vous le procurer, c'est disponible sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux, YouTube, tapez Amélie McEndless et vous me trouverez, il n'y a pas de souci. On va finir avec une chanson qui s'appelle justement le titre de l'album, The Stranger. Et The Stranger, c'est une chanson que j'ai, et c'est une chanson qui n'est pas très joyeuse. C'est une chanson que j'ai écrite juste après les attentats du Bataclan. Parce que ça m'a assez secoué. Donc voilà, c'est une de mes chansons préférées, notamment quand je la joue avec tout mon groupe. Là, on sera en version solo, réduit. Voilà, donc j'ai encore merci, hein, merci de m'avoir suivi. C'était cool, vraiment. So this is the last song. This is called The Stranger, and I wrote this song just after the terrorist attacks in Paris. So this is a very sad song. I hope you've enjoyed the show, really, and I really hope to see you soon in the real life, yes. Bye bye. So this is The Stranger. Sit down, there's strangers out.
Merci beaucoup. Thank you very much. And à très très vite, je l'espère. See you soon. Bye bye.